Deux ou trois après la pause, avec le docteur Jean Palerme Mathurin. Oui. Qui sont invités spéciales, je veux dire. Ou invités qui se passent de présentation pour des mondes qui impliquent dans les affaires politiques. Pour moi qui était qu'on époque ça, 2006-2011, au Palais de Lille. Et même après lui. Et même après elle, parce que justement, moi, pour commencer la deuxième tranche et interview ça, pour me dire qu'il semble côté on pressenti pour les ministres, toi, à l'époque. Non, t'as psychulé sur tout réseau, yo. Son génome, ça, très bien. Bon, notre qui vient de joindre moi avec un bel texte. Pressenti et prochain premier ministre et monsieur docteur Jean-Palerme Mathurin. C'est vrai, est-ce que vous avez approche pour te servir pays comme premier ministre? Bon, vous avez des approches qui étaient faites. Okay. Et bon, moi je pense que c'est des situations qui ont produit dans la vie et tout citoyen qui que la population ouais et à travers eux-mêmes ont une potentialité de aider à résoudre des problèmes. Qui secteur te fait approcher? Bon, alors ça qui est intéressant dans la période ça pour moi c'est que mon travail que j'ai fait et à niveau une zone dans le pays qui sont un projet qui gagne assistance internationale sous le pays qui est les boucles centrales Tibonite. Son projet et qui est censé créer une nouvelle région entre la Tibonite, le Nord et le Plateau Central. Okay. Et que c'est une sorte de réponse en termes d'aménagement du territoire par rapport à les conséquences de tremblement de terre ou bien tempérie qui a fait son série de zones. Okay. Donc, une réflexion que tu as faite pour un réaménagement du territoire, est-ce qu'il y a des parties dans le territoire qui sont capables de recevoir des installations industrielles, créer d'autres opportunités pour réduire la grande pression sur les zones urbaines de Port-au-Prince et donc relocalisation. Voilà, donc, décentralisation, c'est un autre concept. Okay. Donc, peut-être qu'on va parler de ça dans l'autre occasion et qui est indispensable pour le développement d'Haïti. Haïti n'a pas qu'à avancer devant s'il était hyper centralisé comme ça. Donc, il faut que nous réfléchissions. Toutes les conditions qui rendent décentralisation possible. Okay. Et sans décentralisation, pas un développement qui a fait pour Haïti. Okay. Aussi bizarre que ça qui apparaît. Donc, mais ça qui a fait là, il n'y a pas de décentralisation. Okay. Même. Ça sont l'autre approche en matière d'aménagement et d'organisation du territoire. À côté que, ça c'est beaucoup plus relié en économie géographique et en sciences politiques pas décentralisation, mais d'intercommunalité. Ou de création de acteurs territoires, de création de nouvelles dynamiques territoriales, côté que des acteurs aux intérêts différents capables de travailler ensemble pour créer de nouvelles dynamiques de développement local, de développement économique, de développement industriel. Okay. Donc ça, c'est dans la perspective ça, que nous avons fait travailler ça, notamment sur l'aspect et comment inscrire Haïti dans la dynamique de création des régions porteur. Okay. Et région porteur, ça, par exemple, la boucle centrale Tibonite, c'est pratiquement 17% de territoire. Mm-hmm. Et donc, voilà que, donc, c'est pas de ça que je parle là, mais voilà que je travaille sous projet ça avec mon équipe d'experts. Et puis, les crises, ça a éclaté, crise, ça a été annoncé déjà, parce que j'étais tenté et la population a été résistée, notamment les syndicats transport. Pour question d'augmentation du pétrole. C'est ça. C'est et donc, le 6, 7 et 8 juillet 2018, les balles ont éclaté. Moi-même, avec mon équipe et d'experts, nous bloqués en dehors de pays, en dehors de zone métropolitaine, nous sous terre. Et donc, les balles ont éclaté dans vendredi. Nous arrivons rentrer dans Port-au-Prince seulement mercredi matin. Okay. Et en mercredi après-midi, nous avons une vague qui a cité non moins. Comme le prochain premier ministre. Donc, sur les réseaux sociaux. Donc, même tout, c'était sur Internet. Non, c'est famille, c'est moi. C'est famille, moi, avec bons amis, moi, qui me dit, maintenant, qui ça, qui côté mieux, bah, comme ça. Donc, pas vrai. Non, c'est débat, c'est comme ça, vous pas dit. Ah bon. Donc, et. Tout, mais ça n'a pas de sorti dans le secteur qui était censé. Bah, qu'on est qui est-ce et, qui j'en sais. Sauf que ça sorti quelque part. Il sorti quelque part. Il sorti quelque part. Et c'est peut-être également, à part travailler à l'intérieur de l'administration haïtienne qui était ben moins en compréhension de l'état haïtien. Ça a tout ben mon autre idée de qui avec qui ça nous vient à faire et c'est probablement ça. La toute puissance des technologies de l'information et des réseaux sociaux. Parce que moi étonné des amis que me gagne en Chine et en Égypte et dans tout à travers le monde.
qui a envoyé des messages, université que je t'ai fréquenté, boîte que je t'ai fréquenté, des ambassades étrangères, des ambassadeurs étrangers, que j'ai eu la chance de collaborer avec eux, qui a envoyé des messages pour dire que et nous apprendre que ou c'est ou même qu'à prochain premier ministre d'Haïti, etc. Bah, que Ou pas la personne qui a fait pouvoir de ça, non, qui a approché ou qui a l'état d'esprit de ta du tout. Bon, par la suite, par la suite, il y a le gain de contact et au plus haut niveau. Il y a des approches qui font. Oui, par la suite, et pratiquement 8 jours après la crise éclatée, et il y a des officiels de certains pays qui tout de suite proposaient pour comment nous quatre travailler ensemble parce que vous serez le prochain premier ministre. C'est pas vrai. Sont rigolades. Docteur Mathieu, sans pas faire buzz, est-ce qu'il s'agissait du core group? Bon, m'pa fè ça, m'pa ka fè ça. Bon, moi m'a essayé chercher information. Non, ambassade du Canada contact. Non, m'pa ka les États-Unis non, pas faire ça. pas faire ça. Parce que alors ça te permet mon dieu après travailler pour l'État haïtien, expérience ça va le permettre nous comprendre à la fois la toute puissance des médias sociaux, mais il va le permettre tout que ou une compréhension de lecture un paquet de monde autour de PIA et de sa gouvernance. Et qui ça, Mounio t'a souhaité, qui ça, tout partenaire PIA t'a souhaité. Mais alors, pour me tout finir avec ça, pour me dire que et ma plus grande surprise, c'est que lorsque il y a un très très haut placé dans la hiérarchie du pouvoir, qui dit que, et ils apprennent que il y a 3,5 millions de monde sur les réseaux sociaux qui a demandé pour que Dr. Mathurin, Premier ministre. Wow. Et moi, j'ai trouvé ça et un peu surprenant, dans la mesure où, dans la période ça, pas de gain en rien que tu as fait de promotion de monde. C'est une don crise. Que gain on requête comme ça, c'est-à-dire devant genre de problème, un niveau problème ça veut dire, probablement docteur Mathurin c'est peut-être un monde qui a aidé solutionner problème. C'est comme ça me t'ai prendre. Mais en même temps tout l'hypothé une quantité d'autres informations de bagaille que mon a dit de moi que pas la jamais imaginer, bah me chercher c'est bizarrement côté que 3,5 millions mon a demandé pour venir premier ministre parce que problème qu'a confronté yo. Qui c'est des petits problèmes. On a regardé la dimension des problèmes de l'État. C'est des petits problèmes que j'ai. Bien entendu, tout petit problème qui c'est des gros problèmes. Tout petit problème qui mal résoudre entraîner de grandes conséquences au niveau politique. Et c'est ça le problème Haïti, il faut dire. C'est que mal résoudre de petits problèmes engendrer de catastrophes. Jodia, pays d'Haïti, au bord de l'effondrement, parce que nous quittons accumuler trois petits problèmes. Petit bagage personnel et puis nous monter dans la dimension étatique. Donc c'est ça qui mène nous dans une série de crises comme ça. Donc ça c'est une bagage que je tire de ça comme ça. Rita avec moi, docteur Mathieu, avant que nous retournions dans ça nous était annoncé pour poser. Ça important, intéressant et ça permet moi tout, franchement, apprendre de où là, qui genre dynamique pays a marché. Voilà que 3,5 millions de monde sous réseaux sociaux mandé pour cet état ou même pour ta vie, pour mes ministres. Et puis, ou pas le citer, non, nous comprenons, nous respectons ça, ou au dignitaire du gouvernement, contacte. Mais est-ce que vous pensez que c'est une réaction ou du moins c'est l'effet de dynamique réseaux sociaux ça qui vient fait que effectivement ils viennent approcher vous? Qui ont canalisé dans ça? Non, d'après ça, ça m'a lié à travers plusieurs et ça me prend tout comme information. C'est que la question a été abordée à l'échelle gouvernementale. Parmi tu as parlé de où oui, parmi possibilités, parmi moun qui t'a aidé à adresser défi ça dans conjoncture ça. Et donc automatiquement ça a flambé qui fait et sur les réseaux sociaux. Maintenant il se trouve que moi pense que dans n'importe qui pays et c'est très utile lorsque un citoyen et sans le pas le demander, sans le pas le faire rabaissement, parce que moi-même, j'en parlais Mathurin, bon, j'en parle demander mon job dans la vie. C'est bizarre. Mais toujours postuler pour le job, soit qu'à passer sur les journaux en pays ou bien sur les journaux internationaux, et, ou bien une entité qui doit dire, et n'a fait un appel d'offre restreint, donc ou sous liste des experts que nous avons envoyé dossier à pour soumettre une candidature. Donc, et moi-même, moi engagé dans des bagailles politiques et dans des activités citoyennes dans le pays, je suis une personnalité publique, même beaucoup de gens mal dans le bureau, je dis que mon chef fait un petit bagaille pour moi. Donc, moi, je crois qu'une façon ça fait tout. Une façon ça fait dans la mesure où il y a certains postes politiques. C'est pas capable de faire
par décision de forcer par la rue ou bien forcer par les réseaux sociaux. C'est, et moi-même, dans la catégorie moun qui répond à des appels citoyens de manière structurée. Ça veut dire que tout le monde qui a dit, qui a pris le mot, ça, quel que soit le rang que vous avez, moi, je dis, moi, connais. Gon grand moun nan peyi a ki kare lèm pou li dim docteur Mathurin mwen ta souwete ke et nou travay ansanm pou adrese et rezoud defi et problèm ke peyi a gen et an tout moun k ap pale la yo m pa tande moun sa yo et m pa tande ni moun yo délégué pou fè ça donc moun sa kwa pale a pa te kontakte yo donc et nan sens sa m pa kwè ke et ça c'est yon demande d'état. Parce que à ce niveau-là, je ne suis pas capable non plus. C'était des rumeurs, c'était fini. Non, c'est pas qu'il n'y a pas eu des rumeurs. Il y a eu des démarches, à la fin. Okay. Mais les démarches sont arrivées, je ne suis pas capable d'arriver trop tard. Parce que, dépendant de mon qui. Parce que moi-même, je n'ai pas de DM, je dis fait. Et je dis, je n'ai pas de DM, je dis fait. Okay. Ou à l'aise ou confortable. Non, grâce à Dieu. Confortable sur chaise là. Non, 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 mon cher, non, pas de chaise qui chaud. Et je n'ai pas jamais de chaise qui chaud en madame. Très bien, très bien. Parce que, je pense que, en tant que cadre, et haïtien et ça qui fait demande moi et ça qui fait valeur moi c'est à la fois capacité pour me délivrer de solutions à des problèmes donc capacité de résolution problèmes et des défis de gagner donc c'est ça qui fait les mal derrière on l'aime bider l'aime participer dans appel d'offres individuellement ou avec équipe moi nous gagner sur la compétence, nous gagner sur la réputation, nous gagner sur l'expérience d'avoir déjà fait des choses qui permettent que yo ka investi en confiance dans nous. Donc c'est des gens de bagaille comme ça qui permettent que nous garder une certaine distance. Mais la beauté dans la vie, c'est que je toujours rendre disponible pour pays. OK. Pas grand chose que on c'est pas job yo non qui poté by moun c'est moun yo capacité yo pour résoudre problème yo qui justifié yo telle position donc si la demande a été faite c'est que quelque part on quantité moun qui inspiré un niveau de confiance qui t'a remé ouais que m'a servi pays moi oui qui t'a remé que nous rejoindre merci pour ça fait c'est que faut gagner et compréhension faut gagner entente faut gagner des conditions que t'as posé et puis faut être bien fait. Ça va même poser une question carrément direct. Est-ce que le président républicain t'a l'autre et contacté pour mander ça? Est-ce qu'on peut permettre que moi pas porter réponse sur ça? Sans problème. Parce que non, m'a dit que malgré tout défi que la République d'Haïti a confronté et là on mon tant comme et qu'on gagne aspiration à des plus hautes fonctions de l'État et il y a des postes que mon y est là-dedans, postes là sont institutions. Moi comprendre. Donc maltraiter au monde qui est dans le poste là, c'est mettre institution dans mauvaise posture. Non, là, mal ou bien traiter, il y a des impacts sur l'institution. En ce sens, moi, je crois qu'il y a un devoir de réserve de la part de nos acteurs publics, de nos politiciens, et pour être capable de résister à la grande vague des médias et des médias sociaux. Parce qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être traitées en grand public. Des questions et des paroles. Alors, je pense que gain niveau ça. Autre chose, et pour nous comprendre dans ce qui a passé là, c'est que le pays arrive dans un moment où il a besoin de monde. OK. Monde ni besoin, c'est justement, c'est pas des monde qui seulement cherchent le pain quotidien. C'est pas des monde qui cherchent de quoi pour faire non ou non. Qui cherchent un petit l'argent. Non, qui cherchent un petit l'argent, qui cherchent et compléter et CVO. Très bien. Jodi an pays a des défis qu'il a confronté, il a besoin de monde qui a réfléchi sur le problème, prioriser qui ça pour l'adresser, parce que nous pas qu'à résoudre tout le problème en seul coup. Non, et moi, pas jamais attendre moi que n'importe monde dans la hiérarchie pouvoir en Haïti, après le relais, pour demander docteur Mathurin, et bon job là, il vient de prendre. Je ne vais pas attendre moi à ça de personne. Non, je m'attends moi, quel que soit hauteur mon taille. Il a dit, docteur Jean-Valem Mathurin, je connais que dans tel domaine, ou capable. Et comment nous travaillons ensemble? Je comprends. En nous réfléchir, qui nous a fait ensemble pour peut-être que le pays a sorti dans sa lière. Lorsque il y a des adresses comme ça qui sont faites, je comprends. Moi-même, je suis disponible pour le pays. C'est ça. Même pas qu'à rester avec personne. Nous comprenons ça. Donc, les bagages sont tout clairs d'emblée. Libon. Non, étage en pays, nous y est là. Il y a des défis là-dedans. Il demande pour que le pays a fait appel à Mounio
qui qu'on adresse ces problèmes ça. On toujours habitué à faire blague sur ça même les m'avancer pour me dire ou capable acheter l'argent pas problème en général. Ou capable acheter équipement qu'on veut. OK. Mais ça coûte au plus cher. C'est pilote yo avec maintenant cet équipement. C'est ça. Donc si vous gagnez meilleur camion que possible. À vous prendre qui pas qu'on conduit. Oui. Ou mettez sous lui. Non, c'est chaque semaine où on remplace la transmission. Non, c'est ça. C'est là la difficulté. Ça veut dire que administrer l'État, c'est pour un type jouet lié. OK. Demander, il faut qu'on accepte des passos. Demander, il faut qu'on accepte des sacrifices. C'est ça. Mais demander tout, ou qu'on fait tout ça pendant qu'on était moun. C'est ça. Docteur Jean-Palais Mathurin, moun avant tout job. Très bien. Donc, le jour que le pays m'a besoin, et me connaît le pays m'a besoin, mais pas qu'on connaît le pas besoin. Le pays m'a besoin. Et c'est ça qui fait, moi rester disponible pour Haïtiens et pour pays. C'est parce que je connais qu'un moment qui a privé, le pays n'a pas arrêté à plonger tout ça. Il faut que nous-mêmes, collectif Haïtiens, que nous sommes dans le pays, que nous dans la diaspora, il faut que nous arrivions au moment côté que nous disons, oh là, stop. Parce que nous, tout a perdu. À ce actif, docteur Mathieu, je vais faire un bagage, vous permettre de faire, je vais faire une parenthèse, les personnels, les engagés. Sur ce dit là, je vais permettre de dire que dans le contact, dans la prise de contact, et même avant l'interview, je vais faire une recherche sur vous-même, sur la personnalité. Et honnêtement, avec un peu de fierté, je n'ai pas de monde qui parle de vous comme un monde qui monde. Ils ont même mal plus loin. Et je me dis, ça n'a pas engagé, ça a engagé moi-même, dans le Saint-Vité de l'image. Ils ont même parlé de vous comme un monde qui est très humble et qui, pendant qu'au 2006 à 2011, et que jusqu'à présent, qui travaille dans le gouvernement, dans l'État, qui passe sorti enrichi comparativement à l'autre monde, qui ont un petit passage au fait dans le ministère, qui est un gros cas qui bâtit sur les hauteurs des morts en Haïti, et qui a une grosse machine, un gros compte en banque. Ça, c'est moins qu'à dire parce que je fais recherche sur vous, c'est ça mon dit. Je ne vous dis, je m'a répété le devant, je dis le devant quand même la télé-image, c'est parce que son bagage qui parlait de eux, même les gens qui arrivent sur les réseaux sociaux, bah, fait pour le ministère, ça parlait en pile de vous. Non, de son monde qui non, moi je suis riche. Égal à vous. Non, moi je suis plus riche que je suis rentré. Et moi je suis plus riche avec expérience. Ok. Moi apprendre. Moi apprendre. Alors, faut me dire que et, par la grâce de Dieu et triture que moi bénéficier et monde qui choisit faire politique, monde qui choisit servir société. Ce n'est pas métier pour enrichir ou choisir. Okay. Et moi, son exemple pour Laurent Gbagbo, tu dis ça avec un pile, et un pile humilité. C'est ça. Il dit que sous envie enrichir en termes financiers et monétaires, il y a des métiers qu'on pas choisi faire. Tant que, par exemple, l'enseignement. OK. OK. Tant que la politique, qui c'est au service des autres. C'est ça. Moi, je suis enrichi parce que moi, je suis avec une autre compréhension de qui ça qui empêchait pays et d'autres pays qui semblaient avec elle, au-delà de la recherche scientifique que je fais sur les pays qui ont des difficultés pour décoller et développer tant que pays. D'ailleurs, thèse doctorat moi, en économie et à Paris 11, il fait justement sur qui ça permet que pays développer et qui ça permet entreprises survivre même les situations difficiles. Mm-hmm. C'est parce que monde qui crée entreprise, ou qu'à l'entreprise publique, ou qu'à l'entreprise privée, ou qu'à l'entreprise associative, ou pas contribuer à changer l'environnement, parce que tout changement d'environnement, il crée beaucoup plus d'opportunités pour tout le monde qui la donne. C'est ça, donc, c'est ça. Je m'a enseigné ça. Je comprends. Ça, c'est une. Deuxième bagaille, si vous observez l'État, puis vous garantie que le monde a gagné pour enrichir, c'est que vous avez des gens qui pas profité de la position pour enrichir. Vous créez des possibilités pour plus de monde vienne riche. C'est ça. Je dis là, par exemple, tout le monde qui pensait que c'est profiter d'un poste public pour enrichir, c'est un mauvais plan. Parce que non seulement on paye au retard, parce qu'on déplace l'argent qui t'a dû servir pour investir dans l'infrastructure, dans l'éducation, dans la santé et dans la réputation pays, ou dévier l'argent, ça vous voyez à l'enrichir l'autre côté. C'est son premier bagage. Mais ça qui est plus grave, c'est que la génération qui vient après eux, qui a des dettes sous dos, c'est ça, c'est que n'ont pas bénéficié rien de lui. Donc, on a créé des citoyens qui peuvent toujours contester l'État. Donc, l'on fait ça, on crée des conditions pour l'État, par exemple, Kakembe. Donc, ça veut dire, si on monte sous l'Ibon enrichia, on tout détruit l'on finale. Donc, nous, on n'est pas capable d'entrer dans la logique. Ça. Donc, moi-même, je suis enrichi à la fois par connaissance et expérience que l'État permet de faire. Même là, je suis capable de lauréat parmi les lauréats français dans la discipline côté que je suis formé. Si c'était dans l'autre pays que je suis arrivé pour me devenir travail, grade et hiérarchie ça que je suis monté comme l'économiste en chef pays,
En même temps, même l'aime faire 8 autres positions pour pays a et m'daka dit à titre honorifique parce que dans hiérarchie l'état haïtien, l'op travail ou gon poste qu'on touche un chèque à part de l'enseignement ou pas capable toucher un chèque en plus dans système l'état haïtien. OK. Moi-même m'étais accepté bay paym tant ça. Bay paym tant ça pour qui ça? Parce que faut une démonstration que gon série de problèmes qui ka résoudre. Okay. Donc, m'enrichis de ça parce que tu as confiance, tu as investi confiance dans moi, tu as une bonne responsabilité et puis me délivrer. Moi sorti et me marcher tout côté parce que la plus grande richesse que je gagne, c'est la liberté ça, que je peux aller sur n'importe qui média. Je peux aller chita n'importe qui côté. Ouais, n'a pas besoin de mettre un paquet de sécurité autour de vous. Docteur Jean-Palais Mathieu, il a boire un verre côté l'envie, mal manger dans un restaurant côté l'idemdim, mal dans la plage côté l'idemdim. Moi libre de circuler dans le pays, même j'en tout, je peux prendre un ticket d'avion mal dans n'importe qui pays dans le monde, je peux pas gagner et mandat l'État qui demande dans aucun autre pays. Très bien. Pour qui ça, mais crédit ça n'a pas de prix. Et puis, c'est richesse que je gagne. Et réputation, moi, sortir renforcée. Donc, moi, mettez mon service de pays, pays retourne ça. Donc, exercice que les gens ont dit, et 3,5 millions de monde, bizarrement, bonjour, non, aéroport, quoi, ça, comme monde. Dans le monde, après, docteur Mathurin, son monde que je reconnais, je capé. Lire les deux, trois autres monde. Par contre, mon zao. Il dit, non, bagaille, il a dit, non, je n'ai pas cité comme premier ministre. Mon zao qui pas qu'on aime. Qui sous confiance que vous faites à ça, ouais, sur les réseaux sociaux. Ok. Rele moun ça, pour vous dire, même moun qui t'a doué premier ministre pour Haïti, si vous moun nou ka rele moun dit ça, rele, parce que c'est pays a pas ka gen moun ça, et puis pour pays a maltraité comme ça. Intéressant. Donc ça, pour moi-même, c'était une. C'est pas ton Nobel. Alors, recevoir des distinctions extraordinaires, mais les moun nou qui pas de konon, et après les autres moun pour même moun nan, oui. Et moun sa pas de même konon. Pour moi-même, c'était des très, très bagailles, très encourageants. Je me dis, mais nan route que m'y a, probablement, c'est la bonne. C'est ça. Donc, continuer être le citoyen humble, continuer le journée, père de famille, ça humble, dire. Le citoyen qui se respecte c'est et ça. Qui encourage l'autre monde à respecter tête. Yo. Les nappes font bagaille pour pays, nous, fait le bien. Les nappes font les chercher l'excellence. Très chercher bien. Des mouns qui sont compétents, pas paix compétition. Nous, non pays, malheureusement, nous avons paix mouns qui connaissent, nous avons paix mouns qui excellent, nous avons paix mouns qui pas paix compétition. Pays d'Haïti, plein de possibilités. Et ça, je ne pas oublier de dire. Pays d'Haïti, plein d'opportunités. C'est nous qui ne pas mettre dans la condition pour nous attirer moun, encourager moun, mettre en condition pour permettre que l'opportunité ça bénéficie à toute jeunesse là, à toutes mesdames, à toutes messieurs, à tout paysan. Ça veut dire que pays à richesse là dedans, c'est comme si nous font gros moteurs qui sont petits camions n'a gondé sur place. Donc faut nous sortir dans ça. Donc moi même toute richesse moi oui, me fait richesse. Me fait richesse moi, me fait une richesse non qui au service des autres. Même disponible encore ouais, malgré tout bagage. Non, me disponible pour payer. Est-ce que ça veut dire logique ou disponible? Est-ce que ça veut dire quand même que Dr. Mathurin et ses doigts n'ont pas une ambition politique ou ambition personnelle? Moi, je n'ai pas aucun doute sur ça. Je me dis disponible pour Haïti et pour les Haïtiens. Okay. C'est qui ça? Si les Haïtiens, t'as, par exemple, les universités, ils m'ont demandé de venir enseigner pour eux, quel que soit le côté dans le monde, ils m'ont demandé, Dr. Mathurin, dans deux semaines, nous allons faire un séminaire pour nous, pour tel bagage. Okay. Quel que soit le côté dans le pays, je me rends disponible. Parce que plus gros investissement basé je dis à gain pour fait, li gain pour le fait pour jeunesse là. OK, tout à fait. Parce que là c'est li gain pour le fait dans diaspora. Li gain pour le fait pour famille parce que quantité femme qui dans veille c'est yo cap mener famille là. Et donc ni gain pour le fait tout dans environnement pays là. Parce que investissement ça et pour faire ça connaissance pour faire. Okay. Donc là aurait les enseigner moi c'est plus bel cadeau que vous avez fait. Ça, c'est yon. Là, vous avez dit, vous faites un travail pour payer, font expertise pour payer. Ce n'est pas l'argent que vous payez qui est déterminant. C'est que, là, vous avez cherché, vous avez dit, monsieur, vous avez dit, la première mission, vous avez fini le troisième cycle d'économie, vous retourné en Haïti, vous êtes stagiaire dans une institution internationale, vous faites partie d'une équipe qui a fait évaluation de une politique sectorielle pour Haïti. Donc, c'est moi qui ai mené. Et puis, je me rends compte que, en pile, vous avez dit, c'est des stagiaires, donc il n'y a pas de monde qui n'a pas même une bouteille. Etc. Donc, c'est laisser comprendre que lorsque vous gagnez des paquets de compétences qu'on s'accumule là-bas, donc lorsque vous faites travail là-bas,
ou faire de façon à ce que pas gain retourner sous lit mais on essayer retirer toute frioriture pour aller à l'essentiel donc okay. Pays ou pas perdre dans les ça donc c'est là nous disponible pour pays pas disponible pour pays seulement pour des fonctions politiques pas paquet de fonctions techniques pas paquet de fonctions okay. Citoyennes maintenant on y a, si vous voulez qu'on est-ce que Jean-Palem Mathurin intéressé à des fonctions politiques dans okay. Premier plan. Oui, la première magistrature de l'État, pourquoi non, pas aucun problème pour ça. D'ailleurs, pas aucun mal dans non, ça. Non, 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 d'ailleurs, okay. Ça qui est plus intéressant, c'est que grand principe dans la science des organisations et même en science politique, qui dit c'est la qualité qui attire la qualité. Okay. C'est les compétents qui attirent les compétents. Donc, lorsqu'on paye, et dans tout pays dans la région, regardez pour qui est sommet dirigé. Regardez pour comment la société est organisée pour aller chercher la qualité. Bon, Haïti, c'est un cas différent, là. Ah, mais Haïti n'a pas qu'à prêter à faire et élève à part. Haïti, son... même dans la médiocrité. C'est non, il faut nous sortir dans la situation de médiocrité yo, pour ça. Nous commencer à penser à bien-être société. Ça, et bien-être fait. Société, il faut que le bon catégorie de monde, de Haïtiens, qui compte pays, qui compte population, yo, qui compte opportunité, yo, qui gagne respect aux yeux c'est de ça. Monde qui a pas avancé, pour que l'air parle pour Haïti, pas gagne autre, qui pas caché en babagay. Oui, mais ça, oui. Ça pour faire, yo. C'est que, un, faut compétent, deux, faut gagne crédibilité, trois, faut compte de qui ça va parler. Okay. Et quatre, faut que population a investi confiance dans vous. Et donc, lorsqu'on réunit ensemble de conditions, ça, yo, ou pas caché, même si on a rien caché, moi, t'es métier comme net, pas de souké sur la politique pays du tout. Okay. Mais lorsque, et, journaux étrangers a mettre ou en tête de liste. Lorsque travail scientifique qu'on fait a servi l'humanité, même si vous t'as caché, ou pas empêcher mon nom mais non. Maintenant moi-même, moi dis nous bah bien sûr. Faut assumer responsabilité. OK, donc ce qui permet que et donc, par exemple si on prend le cas de mouvement patriotique des Haïtiens conscients et là nous vient joindre avec et équipe Monsaro qui apprend que gen haïtien qui impliqué dans série de bagaille et qui était moun qui était okay. Honnête qui était et fiable et qui était humble et donc yo invité pour nous garder ensemble qui j'en nous ka fait pour permettre que les haïtiens conscients quel que soit côté yo nous ta gen possibilité de canaliser mais okay. C'est avec grande joie. Donc, okay. C'est encore une fois, c'est des réponses à des sollicitations de communauté. Donc, pas gagne aucune difficulté pour moi, okay. Pour me dire que l'aime dit disponible. Moi, c'est disponible ça. Pour pays et pour population, moi, à quelques niveaux que n'y a besoin. Tout à fait. Nous allons entrer dans ce qu'on a annoncé d'affaires, mais que tant nous fait la guerre, et nous avons une émission évidemment cap longue, parce que il y a pile de bagages que nous n'avons pas prendre de vous. En entrer dans le dossier Haïti actuel, là, où sont les gens qui crédibles, qui ont une crédibilité, expertise, etc. Et puis, pourquoi pas, ou disponible et ou mettre à disposition pays pour servir pays. En analyser la situation actuelle, sans que, évidemment, bon, si M. Gabouvene ou la TVL et Kobay ont certaines consultations techniques, vous avez directement pour vous faire, on fait gratis. Qui vont à gérer la question en un moment là? Président Jovenel Moïse, dans la difficulté que lié là, qui vont well et peut-être esquisser une sortie de crise pour nous, d'après vous-même? Sortie de crise Haïti, c'est pas. Situation qui est plus compliquée, non? Parce qu'il y a d'autres pays qui passent dans des crises plus graves. Ok. Ok. Vrai mobile de crise, yo, et il y a une partie qui est très politique là-dedans. C'est que lorsque il y a des ententes politiques au préalable et qui permettent de mon accéder au pouvoir et que l'entente ça a cassé et en cours de route, et il y a des bagages qui étaient passés. En dans chambre, entre c'est copains. Ça. En coulisses. En coulisses. Donc, lorsque bah, ça a éclaté au grand public, et nous-mêmes, citoyens, ou bien nous-mêmes comme experts, et nous n'avons que des yeux pour les regarder. Parce que il y a des crises là où vous arrivez depuis avant, où tu es déjà. Okay. Et qui te débat déjà, qui te dit déjà. Maintenant, et deuxième, donc ça c'est aspect politique, yo, parce que politique très souvent exige de compromis, mais politique pas forcément exige des compromissions. Ça veut dire que compromis, c'est accepter, sacrifier, que ce soit un temps, que ce soit une ressource, pour atteindre nos objectifs en commun. En commun. Qui au service du grand public. Très bien. Okay. Tandis que nous-mêmes en Haïti, c'est pas ça nous fait. Nous toujours fait de la compromission. C'est-à-dire nous fermons un genou sous un bagaille pour le cas permettre, et c'est ça préval de faire. Donc, les fermons un genou sous une série de bagailles parce que c'est des en mille. Okay. Et tout le monde qui a privé après, il a osé et il aurait été calme. Et donc, c'est de la compromission. Donc, il y a privé tout le temps, il a pété dans le visage. Okay. Maintenant, donc,
problème politique que nous avons dans le pays est en grande partie résultant de beaucoup de compromissions. Okay. Nous avons un deuxième gros problème politique et qui est même lié à la gouvernance institutionnelle de VIA. C'est que les différents types de pouvoirs que nous menons là-dedans, mm-hmm. pas jamais voulu institutionnaliser la vie politique et la vie administrative de VIA. Okay. Donc, ça veut dire que là, on a des bagailles qui sont même plus profondes. Okay. Ça veut dire les institutions qui ne sont pas adaptées, les pouvoirs qui sont mal distribués et qui n'ont pas de contrôle sur eux. Par exemple, n'importe conflit qu'on a dans le pays aujourd'hui, là, qu'on a là d'ailleurs, mm-hmm. entre une branche dans le Parlement. Okay. Et le pouvoir exécutif, pas aucune autorité qui peut siéger, qui peut dire que nous mettons balle là. Donc, c'est still met en jeu d'échec. Donc, casser pour payer, casser, bloquer avec nous. Même genre, pas aucune institution qui peut résoudre nos problèmes qui t'a émergé entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, ou bien entre le pouvoir judiciaire et la présidence, ou bien entre le pouvoir judiciaire et le Parlement. Pas mm-hmm. aucune autorité qui a intervenu pour calmer ça. Okay. Donc, ça, c'est des problèmes très profonds pour résoudre. Il y a des problèmes de surconcentration de pouvoir autour de deux pôles, le pôle parlementaire et le pôle présidentiel. Oui, encore une fois, les ramener toutes les ressources pays allant de la sécurité aux autres budgets et de l'État, 75% concentrés autour de à peine certaines communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et okay. le reste du pays est resté à zéro. Donc, l'absence de redistribution et d'opportunités de richesse pour citoyens dans le reste du pays n'est pas faite. Donc, c'est des éléments de crise profonde à résoudre. Mais il y a des éléments immédiats qui t'a adressé ça. Et parmi éléments immédiats qui a adressé ça, c'est que faudrait que l'équipe qui a le pouvoir, notamment la présidence, mm-hmm. reconnaître que le pays a fait un passage difficile qui a mis en péril sa souveraineté. Ok. Faut reconnaître. Faut reconnaître ça. Et si on reconnaît ça, qu'on y a, faut qu'on dise tout. Premier facteur qui mettait en risque la souveraineté en pays, c'est le propre citoyen. Mm-hmm. Premier facteur d'insécurité en ton pays, c'est le propre citoyen. Insatisfaction que citoyens ont gagné, créer des conditions pour rendre que par-delà des problèmes structurels qui gagnent, mm-hmm. au sac passé qui crée des problèmes, c'est des problèmes de mauvaise répartition, opportunités, mauvaise répartition, richesse pays. Donc, lorsque un gouvernement rentre dans le même système pour le perpétrer, mm-hmm. donc il n'est pas facilité la tâche. Donc, l'exercice intelligent que le président et Jovenel a gagné pour le faire, c'est à, et premier bagage là, réduit sous gaspillage une série de ressources pour l'assurer qui parce que ressources ça côté yo déversé vers des amis, vers des clubs, vers des alliés politiques mm-hmm. pour reconcentrer disponibilité de richesses qui t'a doué à répondre à besoin société. Par exemple, ou pas qu'à stabiliser un pays côté que policiers pas touché, monde qui dans système judiciaire pas touché, monde qui a fait éducation pas touché, monde qui dans santé pas touché, qui sont au bandé pour faire. Donc, c'est entretenu ou pas entretenu, instabilité. Donc, il faut qu'on manie côté ça. Deuxième bagarre, c'est que l'État a des leviers dans même. L'État a des leviers dans même. Par exemple, un levier l'État a le plus important, c'est la capacité pour collecter ressources, pour collecter impôts. Maintenant, quantité de monde qui n'a pas payé impôts dans la société haïtienne, énorme. Est-ce que c'est vrai ou pas t'a vle payer ou parce que raqueté les oual payer? Ça, c'est une question que c'est gouvernement seulement qui a répondu. Troisième bagarre, il y a des secteurs économiques qui mandait des actions directes sur eux et que l'État s'est premier déclenché là-dedans. Par exemple, je veux dire, on va regarder quand il y a des gens qui vivent dans la boue. L'on prend secteur bâtiment, je veux dire, dans la société, et que l'État a gagné des leviers dans le que ce n'est pas l'argent, mes amis, qui font ces bagailles. Mm-hmm. C'est capacité, c'est dévouement, c'est engagement public qui enclenche. Manger, secteur agricole, là, par exemple, il y a un peu de bruit qui l'ont mis sous lui. Mais l'on regarde les quantités dans le secteur agricole, il n'y a pas aucun effort qui est fait pour améliorer la capacité de production dans le secteur, parce que il y a plus de bagages qui sont importés. Et il n'y a pas investi là-dedans tout pour contrebalancer le flux d'importation, il n'y a pas des flux d'exportation et de production de substitution à un série de bagages que le pays a produit. Okay. Et en plus, il y a une quantité de jeunes garçons, jeunes filles, qui aujourd'hui a gagné de l'autre besoin. Ça, papa, il y a un besoin en paysannerie. Ce n'est pas ça au besoin, je veux dire. Okay. Jeunesse a qui préparé, regardez pour elle, on paye en moins de 3 ans. Et plus qu'un million de jeunes garçons et de jeunes filles qui quittent le pays à le Chili, à le Brésil, qui a évacué. Parce que pas d'opportunité créée pour eux. L'on société
pouvoir politique pas créer opportunité pour l'absorber excédent de jeunesse à préparer et mais li créer propre piège par lui. Donc si nous gardons ensemble d'éléments ça, nous gagne matière qui capable permettre que bon l'autre façon pour rebattre équation qui pour permettre que bah la sortie. Donc c'est pas ça qui est plus compliqué, c'est pas la crise la plus grave non plus nous que nous approfondir là. Oui mais gomba peut-être me penser et franchement avec un peu d'humilité me penser qu'on manque là non et ah mais si me déborde toute bagaille, il est trop grave. Parce que si on a dit tout le bagage, ça veut dire ça va quitter rien pour nous réfléchir du tout. Mais et nous va quitter l'espace tout pour politique, président comme place là, avec l'équipe, il faut le faire. Il faut quitter des lois bagages tout le bagage là. Mais sérieusement, c'est fondamental parce qu'on ne peut pas parler de reddition des comptes. Non, non, mais premier bagage, tu as bien compris qu'on arrive sur lui. Non, là, je dis qu'on ne peut pas payer. Pourquoi ils ne sont pas payés, mon ça? C'est que le problème. Non, là, je dis pourquoi ils ne sont pas payés, mon c'est quelque part, on côté l'argent aller. Maintenant, sur la reddition des comptes. Non, on allait directement la problème. Sur la reddition c'est le problème Petro-Caribé qui mène là. Ok. On parle de ça, docteur. Problème Petro-Caribé. Sérieusement, sérieux. Non, problème Petro-Caribé, c'est Yon. Oui, mais c'est le problème qui a déclenché la crise. Non, problème qui déclenche la crise là, il commence avec augmentation prix gaz là. Oui, oui. Et qui va le déboucher sur le problème ça qui était là. Dérivatif de aide de la BAPI. Ok. Maintenant, problème. Ah.